Aujourd'hui, on a eu à organiser la cérémonie officielle de la semaine de l'étudiant. Une activité phare organisée annuellement par la commission sociale en collaboration avec le CROUS. Une semaine durant laquelle sont offertes des activités folkloriques et sportives et culturelles à toute la communauté étudiantine de l'Université Gaston Berger. D'abord, il y a la chance qui nous avait été offerte, c'est-à-dire que la semaine de l'étudiant a coïncidé cette année-ci avec la journée des alumni, les anciens de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui sont en pèlerinage à la Terre-Mère. Donc cette activité vraiment qui nous a marqué dans la mesure où les anciens ont on a cette chance de recevoir les anciens qui nous ont offert des bourses à hauteur de 45 bourses à toute la communauté étudiantine. Et nous espérons aussi que d'autres vont se prononcer pour que le projet puisse suivre son terme. La semaine de l'étudiant, comme je l'ai dit, c'est une activité que chaque délégation de la commission sociale des étudiants de Saint-Louis organise en collaboration avec le CROUS. C'est une activité qui durant une semaine entière, la commission sociale organise des nuits de rire, des concerts de rap, hip-hop, des concerts de mbala et aussi des cadres de partage scientifique avec les étudiants, avec les personnalités de la région de Saint-Louis, mais aussi avec toutes les autorités de la dite région aussi. Question des journées des alumni, des anciens de l'Université Gaston Berger. Nous sommes là simplement pour accompagner notre institution, accompagner sa construction, accompagner l'insertion des produits de cette institution. Et nous sommes heureux que le recteur ait aujourd'hui consacré ces journées comme journée institutionnelle faisant partie du calendrier institutionnel de l'université. Oui, on a plusieurs projets pour l'institution, notamment à court terme la construction de logements qu'on appelle Cœur Ouassanar et à plus long terme un programme d'insertion. Elle a participé de façon conséquente à la fondation de l'Université Gaston Berger. Les défis du développement et nous savons que l'emploi pour les étudiants, ça se commence au moment où vous êtes en formation. C'est à ça que nous accompagnons dans un processus itératif les produits de Ouassanar pour qu'à la sortie, qu'ils puissent s'insérer rapidement. Donc c'est un top de thème de très important pour nous, l'insertion. Là, c'est la mission régalienne même du CROUS. Ce n'est pour rien, en fait, on a le social au service de l'excellence. Donc le CROUS n'aménage aucun effort pour mettre nos pensionnaires, que sont les étudiants, dans leurs meilleures conditions donc, d'être existants au niveau du campus. En ce sens même, en fait, comme l'adage le dit, ventre creux n'a point d'oreille. Donc nos missions phares s'articulent autour de la restauration des étudiants, leur prise en charge médico-sociale, l'hébergement et aussi les activités culturelles et sportives. Bon, là, toutes nos actions ne se résument qu'en fait améliorer les conditions d'être et d'existence de nos pensionnaires que sont les étudiants. Ah, c'est un moment de joie aussi et de grande fierté pour l'Université Gaston Berger de Saint-Louis d'accueillir la deuxième édition de la journée des alumni qui coïncide aussi avec la semaine de l'étudiant. Cette année, le thème était axé sur l'emploi et l'insertion. C'est des missions aussi de l'université. L'université doit former nos jeunes aussi pour que les jeunes puissent s'insérer plus facilement dans le marché du travail. Et l'association Ouassanar a un gros rôle à jouer dans ce domaine-là. Nous avons des projets sur lesquels nous travaillons activement et ces projets verront jour. Et ces projets aussi vont simplement, c'est pour les étudiants que nous mettrons en place ces projets-là. Je ne peux pas aussi ne pas remercier toutes les personnes, tous les anciens de l'UGB qui sont venus pour nous accompagner, les actuels étudiants qui sont venus, qui montrent leur attachement à l'université. Tout à l'heure, dans la cérémonie officielle, vous avez vu des actions concrètes ont été posées par les anciens. Et c'est le lieu aussi de les remercier au nom de toute l'université, par ma voix, remercier toutes ces bonnes volontés, toutes ces personnes qui ont fait le déplacement d'abord, mais qui ont aussi à poser des actes pour nos étudiants.